À l'invitation du président du département du Finistère, donc on a souhaité lancer ce dispositif de l'heure civique en Finistère. Alors tout simplement pour faire renaître les racines de la solidarité sur nos territoires. Actuellement, donc, nous sommes sur une action avec nos élèves de Bac Pro Service aux Personnes qui sont en train de développer le principe de l'heure civique. Aujourd'hui, j'ai fait un atelier massage donc dans le secteur fermé. Et là, on leur a mis du vernis, on leur a fait des massages. L'heure civique, c'est vrai que ça apporte beaucoup de besoins aux personnes en difficulté, personnes âgées ou tout simplement des personnes qui ont besoin d'aide. Je trouve ça super cool pour eux que l'heure civique a été mise en place. Les personnes âgées se sentent souvent seules. Du coup, je trouve que même dans les EHPAD, c'est bien au moins de leur porter une heure parce que ça leur fait déjà du bien de voir un peu de jeunesse. On voit bien que c'est un dispositif qui fonctionne bien hein, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à 40 volontaires qui sont volontaires pour les actions sur le territoire de la commune. Et donc, on voit bien qu'il y a des mises en relation qui se font avec des personnes âgées à domicile. Et on a des fils en mairie pour nous remercier d'avoir mis en place le dispositif. Alors c'est une nouveauté déjà qu'on ne connaissait pas et c'est une très belle occasion du coup justement de créer des nouveaux partenariats, d'aller vers l'ouverture sur l'extérieur et surtout du coup avec le lien intergénérationnel donc en partenariat avec la MFR aussi qui porte ce projet. On a été privés pendant 3 ans aussi de ces partenariats-là. C'est cette richesse aussi et ouverture sur l'extérieur. Ah ben moi, ça m'a rappelé ma jeunesse un petit peu. Je me suis mis à votre place, si vous voulez. Ça m'a rajeuni, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ouais, ben ça passe le temps et puis on est parmi les autres. On a rigolé. J'aimerais bien du coup revenir ici pour rendre heureux les personnes âgées en faisant des activités avec eux. J'encourage tout le monde à le faire parce que c'est vrai que ça sera un plus pour tout le monde. Je leur réserve la vie, si vous voulez.